Bonjour, aujourd'hui on va faire un cocktail au melon et au rhum. Alors on l'ébûche, on l'ébépine, on le lave, on le coupe en tranches, on dirait 2-3 cm, plus 2 que 3 quand même. S'il y a des bouts plus petits, ben, on va les griller que d'un côté. Alors ici, 440 grammes. Dans un sautoir, on met un fond d'huile de tournesol. On va les faire bien colorer des deux côtés. Comme ça, là, des deux côtés. Voilà. Alors si jamais c'est mou comme ça, là, et que c'est pas assez grillé, vous le sortez quand même du feu. Là, on va éponger avec du sopalin. Faut pas qu'il y ait de gras dans une boisson quand même. Alors, avec deux assiettes de même taille, on recouvre de sopalin, on met l'assiette à l'envers et on retourne. On fait ça bah, tant qu'il y a du jus. Voilà, ça ira. On réserve au frigo sans couvercle. Quant au sautoir, vous jetez l'huile dans une boîte de conserve à la poubelle. Et avec une spatule, on va gratter parce que avec le sucre, ça caramélisé, cramé, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'attaché. Le lendemain, on met le melon dans le plat du mixeur et on mixe. Voilà, bien, bien fin, regardez, il y a. Y a pas trop de grumeaux. On y ajoute 4 cuillères à soupe de rhum blanc, puis 180 grammes d'eau. Maintenant, on sucre au goût avec du sucre ou des sucrettes. Voilà. Alors, j'ai mis 13 sucrettes d'aspartame. Alors, avec un petit melon, on fait 420 grammes. Et voilà, bon appétit!